Depuis octobre 2020, Bertrand Chamérois officie en dernière partie de l'émission C'est à vous aux côtés d'Anne-Elisabeth Lemoine. Très complice sur le plateau de la 5e chaîne, voilà que le duo s'est vu afficher en une d'un magazine People, en train de s'embrasser avec le titre Leur amour secret. De quoi décontenancer l'humoriste qui a accepté d'évoquer cette information pour nos confrères du Figaro. De quoi décontenancer l'humoriste qui a accepté d'évoquer cette information pour nos confrères du Figaro. Marié, Bertrand Chamérois affirme avoir bien du mal à supporter les paparazzades dont il est la cible. Une mise au point assez claire. D'autant que Bertrand Chamérois ne souhaite pas s'éloigner d'Anne-Elisabeth Lemoine. En effet, l'animateur va même prendre les commandes d'une nouvelle émission sur France 5 intitulée « Bertrand n'a pas sommeil ». Pour Télé Loisirs, Bertrand Chamérois s'est confié sur ce nouveau format. Oui, c'est complètement différent de ce que je fais sur France 5. Je suis plutôt quelqu'un de froussard, mais quand je me lance un défi, je ne fais pas dans la demi-mesure. Je veux éviter que le public de C'est à vous se lasse de moi. Je veux éviter que le public de C'est à vous se lasse de moi. À 2000%. En parallèle de C'est à vous, j'étais présent dans toutes les réunions de production. Sur le choix du décor, des matériaux, de certains jeux de lumière, du générique conçu comme une comédie musicale, de certains objets en plateau comme la photo de mon chien. Jusqu'au montage. Un nouveau challenge pour celui qui avoue avoir pris des cours de danse avec Kamel Ouali pour tourner le générique de cette nouvelle.